Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo et Celius. Après les vidéos de Jedi Survivor qui ont bidé sur ma chaîne sans aucune explication, alors que je fais 4000 vues sur Jedi Fallen Order, je reviens sur The Frontier, parce que nous n'avons pas terminé ce let's play qui commence à prendre du temps. Il prendra moins de temps que celui d'Outer World, hein, parce que celui d'Outer World, alors franchement, on n'avait pas le mood. Hein. On n'avait pas le mood, on n'arrivait pas à se contacter, tout et tout, ça nous a pris un an et demi pour le faire. Mais là, nous sommes là tous les deux, Utgard Lodbrok, Pharo et Sadius, on va continuer ça, je profite de meubler le temps de chargement de l'enfer, parce que c'est mon premier temps de chargement sur New Vegas. Parce que oui, forcément, c'est le plus long. Ouais, les jeux Bethesda, c'est comme les jeux Paradox, le premier temps de chargement du PC quand il est allumé, c'est le plus long. C'est normal, c'est comme un bon diesel, faut le faire chauffer. Voilà, c'est ça. Et alors, de toute façon, je pense que ça peut s'expliquer sur le fait que mon New Vegas est sur HDD. Mais oui, j'ai fait de la place, Starfleet sera sur SSD. Voilà, nous sommes là. Speak White Sir Wendell in the food storage area. Il faut donc aller parler à Sir Wendell dans le stockage de nourriture. Ah ouais, donc Forging the Swarm of Laban, c'est la quête principale, et il y a Serpent in the Castle qu'on fera après, parce que je veux attendre qu'une quête se déclenche avant. Breaking the Cycle qui se fera un peu plus tard. De toute façon, c'est pas compliqué, dès que tu lances Breaking the Cycle, dès que tu as la Domina qui te dit d'accord, t'as la dernière quête. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est God Bless America, bah il suffit juste qu'America se balade avec nous. Dream of Electric Ship, ça par contre c'est mon mode de cybernétique. Parce que oui, je n'ai toujours pas oublié le projet de partir faire le jeu de base avec. Par contre il va falloir se concerter, parce que si on fait ce projet, ça voudra dire qu'on va... On va certainement rester sur New Vegas jusqu'à la fin de l'année. Parce que New Vegas, le jeu est assez long. Enfin, il est assez long, mais avec nos armes de l'enfer, c'est long et court à la fois. Il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est ce que j'allais dire. Allez, allons voir Sir Wendell. Alors, ce que je vais faire, parce que nous sommes à 2 minutes de vidéo, je pense que nous allons jouer à peu près 45 minutes. Comme ça, après, j'ai le temps d'aller cuisiner, me faire à manger et autres. Mais je pense pas qu'on fera de suite à cette vidéo pour ce soir. Parce que je pense qu'on va partir regarder notre The Clone Wars ensemble et autres. On se remet The Clone Wars en espérant qu'on arrive à finir The Clone Wars avant qu'Ahsoka arrive. The Clone Wars. Être une femme de nos jours. Ah! Alors, je vais vous avouer que c'est un pur accident. Je suis juste rentré là et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans les toilettes? Ah oui, d'ailleurs, vu que tu joues à Jedi Survivor ces derniers temps, je voulais juste t'avertir, si tu vas aux toilettes dans Jedi Survivor, tu peux récupérer un éclat de priorité dans les toilettes. Il y en a un qui arrive, il a chié des cailloux, ok. D'ailleurs, quand tu le récupères, t'as Cal Kestis, il fait « Mais qu'est-ce que ça fout, là ?» Voilà, c'est cette quête-là. J'arrive. Petit imprévu, excusez-moi de l'attente, parce que j'ai fait long. Ah oui, tellement long qu'Udgard a disparu. Non, je suis là, t'inquiète pas. Donc, j'ai des choses à dire. La première, c'est que... Alors, c'est une quête que... Alors, on va pas... le texte est quand même super long en anglais, on va vous faire simple.
Il y a cette quête ici, qui s'appelle Serpent in the Castle. Vous devez finir la quête Serpent in the Castle avant un temps limité, parce que si vous ne finissez pas la quête avant un temps limité, vous débloquez la quête qui s'appelle Fatal Fizz. Voilà. C'est simple, c'est que il y a... on va faire la quête, parce que moi, j'ai décidé de laisser le compte découler pour voir à quoi ressemble cette quête. Donc en tout, c'est une trahison. Il y a un personnage qui a trahi les Crusaders. Et apparemment, ce personnage ne trahit pas les Crusaders si tu finis Serpent in the Castle avant. Par contre, ça, malheureusement, c'est toujours le problème de New Vegas, c'est que la superposition... Et j'ai hâte de voir la gueule de la map hein, sur Starfield. S'ils vont partir sur un truc en 2D comme les Falloit, ou s'ils vont partir un truc en 3D comme Skyrim. C'était encore un étage au-dessus. Ça, tu vois mon stream? Ouais. Ah oui, il faudrait un jour qu'il fasse le ménage. Nanana. Salut Charlène. Jamais trouvé cette pièce. Je n'ai jamais été ici. Trouver les affaires de Mallory. Ninja style, that is. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière et puis que mon angle fait que je ne le vois pas? Ça se passe. Tu vois, il y a vraiment un truc que je trouve vraiment cool, franchement, avec cette putain de musique de The Frontier. Ah ouais? À la fois, tu vois, The Frontier, pour moi, contient une grande partie de la véritable essence de Fallout, tu vois.
Et à la fois, il contient des musiques qui ont... qui dénotent vachement, tu vois. A Fatal Fizz, voyons voir. Faufilez-vous dans la salle de douche et fouillez les affaires de Mallory. La question c'est où sont les affaires de Mallory, parce que là pour le moment c'est un peu... Est-ce que ça te dit ou pas ce que t'es censé récupérer? Bah dans les indices, faufilez-vous dans la douche, fouillez les affaires de Mallory. Il y a très peu d'infos sur cette quête parce que beaucoup de gens l'ont raté, quoi. Oh, un nettoyant à Braxo. Ah, mais je pense que ça doit être là. On va faire simple ou pas. C'est marqué quoi dans la quête? Ouais, faufilez-vous dans la douche Tower Room et cherchez les affaires de Mallory. J'allais dire, commence pas à vouloir ramasser la savonnette. Hein. Bon, c'est pas America qui risque de me faire des choses. Fais gaffe, elle a une armure assistée, hein. Il suffit qu'elle ait un peu de volonté, t'es mal barré. J'ai aussi. Ah non, c'est vrai. Voilà. Essaye de faire un TCL, hein. Essaye de revoir, parce qu'il y a autant de trucs. Ah ok, je comprends. C'est un problème de trad. Est-ce que je peux dormir là? Ah bah voilà, tu vois. Elle est en train de... Ah oui, d'accord. Donc en fait, si on dérange l'espionne pendant qu'elle est en train de se doucher, ça fait... Elle fait sauter la pièce. Maintenant, on doit aller à la dead drop, tu vois, la fameuse dead drop qu'on parlait l'autre fois.
Mais attends, 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 attends. Ça, c'est quoi? C'est la baie médicale. On va aller chercher un truc avant. On va aller chercher quelque chose. Cette arme, je trichais pour les munitions. Energy weapons, parc de charge à électrons. Ouais, c'est ça, y a un souci avec cette arme. Le pack de charge à électrons, il faut que ce soit... C'est quoi ce fusil? C'est le fusil Jericho. C'est celui de la quête principale. Donc j'en ai profité pour le prendre. Il fait quoi celui-là parce que. On va, tu vas voir. Dans mon ancienne partie, je l'ai bien aimé. Tu vois correctement. Voilà. Voilà. Et si je sauvegarde... Voilà. Hein, c'est... Voilà, c'est... c'est... Voilà, je... tu vois le truc quand même. Le mec, ça a des pompes à mec en armure assistée. sans aucune difficulté. Donc comment t'expliquer que quand on va aller voir la Légion de César, la Légion de César, elle va me foncer dessus et elle va faire « Retraite ! Retraite ! Retraite !» Tu sens qu'on va se taper des barres, tu sens qu'on va se taper des barres quand on va faire le Let's Play de New Vegas avec ça. Ouais. Même si ça peut pas one-shot des griffes mortes. Juste avant. Voilà. Donc là, ouais, je vais à l'endroit. On va y aller à pied et je vais vous expliquer l'anecdote. C'est qu'en fait, Morgana, elle a. Mallory et Morgana, en fait, ils ont perdu des gens à cause des. Comment on appelle ça j'ai oublié le nom. À cause des scaves. Donc en fait, ils veulent attaquer les scaves en masse, ils veulent attaquer des civils scaves pour se venger et autres, en fait. Et en fait, si t'aurais fait la quête serpent dans le tunnel, t'aurais appris que c'était une erreur, en fait. Que c'est les... que c'est en fait l'ordre d'escalon, donc des extrémistes des Crusaders,
qui ont fait croire aux autres Crusaders que les Scav étaient responsables de ça, pour que les Crusaders s'en prennent aux Scav et déclenchent une guerre entre les deux. Voilà, tu vois. Bah, ça, c'était un ordre d'escalade. Mais on va s'en occuper après l'ordre d'escalade. On va faire serpent dans le tunnel après celle-là. En vrai, je pourrais ramasser du, loot pour avoir un peu de fric, mais il faudrait que je retrie mon inventaire. Regarde ça, Edgar. Il a survécu ? Ouais. LDR. À pas grand chose. À pas grand chose, il a survécu. Bon, en fait, c'est vrai que c'est un BFG, quoi. Ouais, mais bah, par contre, toi, tu t'es fait détruire. J'ai pas vu par quoi j'ai été tué. Après, The Frontier est quand même 100 fois plus dur que le jeu de base. Les ennemis se scalent vraiment à ton niveau, donc... Et puis bon, vu que je suis obligé de porter l'armure de la RNC, parce que si malheureusement je tombe sur une patrouille, ils me tirent dessus à vue. Les ragdoll, putain. Alors en fait, raté, mais en fait, la déflagration fait qu'il peut... Il gicle, en fait. Thank you.
les chances de survivre, alors estime toi heureux. Il fait combien de dégâts en vrai? 1436 de DPS pour 565 dégâts. Ah, par contre, l'arme elle a pris cher, il va falloir. Et vu que je sais pas par comment il faut la. Je sais pas comment il faut la réparer cette arme. Donc il va falloir que je regarde sur le Wiki de The Frontier. Regarder un truc parce que j'ai un peu peur d'avoir fait une petite erreur. Ah! Bon bah, on va recharger. On va recharger, puis on va utiliser une autre arme. Parce qu'en fait, je dois aller dans un endroit en particulier pour tester l'arme. Puis ça va me permettre d'avoir une rencontre assez sympathique, donc on va utiliser une autre arme pour le moment. I'll get the short end of it, won't I? Oui, général.
Tu cherches qui? Je l'ai trouvé. Celui-là. Pour récupérer son arme. Par contre, quand je vois que je suis à 30 FPS en combat sur New Vegas, donc techniquement New Vegas avec 60 mods est quand même moins bien opti que Jedi Survivor, c'est assez comique. Non, je dois recommencer tout. Il faut vraiment que je pense à save parce que. Comment le H-Boom Vending Machine il a réussi à être déplacé là? Je vais changer d'arme parce que j'ai bientôt plus d'armes. Je vais utiliser celle-là, elle est assez efficace. Photon Storm. Ah! On avait dit quoi déjà le troc?
rapproche. Voilà, la voilà. And now you come for my blood. Tell me, what divine promises did she make? Justice? Peace under her iron fist? Rebuilding the old world? Those were the pretty lies she sold me. Justifications for her failed leadership. Justifications for letting young women bleed out in the snow. But what does it matter at this point? Given what you have done to the Order's congregants, you seem content with being the lathe of her mad will. Unfortunately for you, today you will not die a martyr, but fodder. Stop! J'ai même pas le temps de... Don't have to kill me. Because if we melted all the snow in this godforsaken land, that water would be a drop compared to the sea of blood spilled upon it. I saw my blood begin to join it. Realized that all this hatred I've been holding is for naught. I let it twist me. Consume me like a black inferno. I have felt the heat of hell. Heard the snicker of death. Please, I can help you. Go back to my Sofer sisters, even if in chains. For my life, I shall provide the secrets of the Order of Eschaton. Take my records, my sword. Just not my life. J'ai besoin de ce moment de traduction. Alors, il est bien trop tard pour la pitié. Tes crimes, enfin, tu mérites une mort rapide pour tes crimes. Le deuxième, c'est d'accord. Tu es en état d'arrestation par ordre de la table ronde. Ils verront ta punition. Et le troisième, c'est une mort rapide est trop douce pour toi. Pourquoi je te vendrais pas en tant qu'esclave à la Légion? Voyons voir. Qu'est-ce que disent les missions? Alors ça dépend. Est-ce que t'es un connard au point de la vendre en tant qu'esclave ou est-ce que... Voilà. Alors c'est les trois choix finaux. Choisis de la faire prisonnier. Vous gagnez du karma positif, vous choisissez de la servir et de la vendre à la Légion, karma négatif, vous choisissez de la tuer, vous gagnez aucun karma. Donc je vais la faire se rendre. Thank the Lord. Please, take these as a gesture of goodwill toward our entente. Let's head to the tower. No sense lingering here. Alors, j'ai eu un peu de peine à comprendre ces dialogues parce que ça allait vite. Elle dit ouais, bon bah merci d'avoir fait preuve de pitié envers moi. Maintenant on va se diriger vers la tour, ça n'a aucun sens qu'on reste ici à attendre. So we meet again. I thought only Catholics did confession. Now, alors, t'as besoin de traduction ou... Ouais, vas-y. Et quand on aura fini les dialogues, on stoppera la vidéo pour aujourd'hui. Alors, le premier, c'est « Dis-moi quelque chose à propos de la situation dans la tour ». Le deuxième, c'est « Parle-moi de l'ordre des chatons ». Le troisième, c'est au vu de ton large vocabulaire, je prends comme quoi tu fais partie de la confrérie. Ouais, et puis le troisième, c'est je suis aussi une sauveur, mais je vais faire celui-là. C'était une senior scribe. Ah, déployé de l'hostile jusque qui a participé à la catastrophe du Morave.
Unfortunately, our camp got sacked by an NCR Ranger ambush. How they found us, I'll never know. Donc la RNC, les Rangers de la RNC, ils leur ont fait une embuscade et ils les ont capturés. As for how I got mixed up with the Crusaders, I blame a local caravaner. He said he'd seen Brotherhood of Steel refugees headed toward Zion. I found Weaver there and got involved in this whole mess with the NCR all over again. God has quite the funny sense of humor, apparently. Avant ta désertion. I was once Charlene's favorite pupil. She even recommended me for the round table before I disappeared. But please, just read my journal entry about it. Ouais, elle conseille de lire mon journal, ok, de son journal. To quote her favorite book, I was blind, but now I see. Maybe someday you will too. I pray it happens before you lose those you love to dream. There will always be wolves at the door waiting to cut their teeth upon you. The question is, do you really trust your shepherd to fend them off? Ouais, bonne métaphore. Il y aura toujours des loups à la porte de de la bergerie. Est-ce que tu as une confiance aveugle en ton berger pour les éloigner? Littéralement, elle a déserté parce que certainement qu'elle a perdu ou qu'elle a eu peur de perdre des proches à elle en suivant la dominaque. Those destined for the sword to the sword. Those destined for famine to famine. Those destined for captivity to captivity. Jeremiah 15:2. Ouais, ceux qui vivent par l'épée meurent par l'épée. His judgment is cast, and no amount of sacraments will save the unworthy from their requital. Oh, is that how you read my gambit? As embracing the valiant hero's act of mercy. Weaver's strain of poison is more virulent than I recall. Perhaps I just exploited your weakness. Perhaps I saw you couldn't resist the temptation of knowledge you'd gain by tossing me in this cage. A dangerous craving to have. The craving of Eve and her downfall. If you gain nothing else from your little chats, remember that date, courier. There is a pre-war biological weapons facility somewhere in the frontier, but we couldn't find it. Ok, donc en gros, elle disait qu'il y avait une usine qui créait des armes biologiques avant la guerre, et en gros, ils ont essayé de la chercher, mais comme ils n'ont pas réussi à la trouver, ils ont commencé à créer leurs propres toxines eux-mêmes. C'est la même chose. Our agents reported seeing a prelate stealing medical supplies. I believe Daniela was. Ah, si je comprends bien, c'est la chef d'échelon. She also seemed rather ill, for what it's worth. You have destroyed both of our clandestine cell systems. Our remaining agents fled when I waltzed through the tower doors. You have nothing more to fear from us. For now. It's not. They about old men in dangerous positions. Puis j'ai reçu quelques armes supplémentaires. Notamment son arme au corps à corps. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Compte, qu'est-ce que tu fous avec une confiscatée de time bomb? Hein? Plasma Edge. Sympa. Et puis ça targe.
Je vais donner mon armure assistée. Donc voilà ce qui clôture la quête de Morgana. Donc on va pouvoir continuer avec Serpent in the Castle. Donc ouais, c'est ça, c'est... Non, on va pas faire Serpent in the Castle, on va faire Forging the Sword Laban. Alors là, je suis où? Vu la musique, je dirais que je suis à la route photo. Ouais. Il dit quoi, lui? Welcome, young blood. My beef with your cage siren. How about the fact that our dear arch-prelate abandoned us when we needed her most? How about all the wounded that died because a hare got up her ass? We grieved for her, searched for her, some died for her. For what? A damn lie! Sorry. Ouais, la symbolique de Morgana... qui est la sœur du roi Arthur et puis et qui a fini par la trahir pour tenter de le renverser. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même thématique avec Morgana. Un chouette personnage, le personnage de Morgana, qui permet de mettre notamment une comment dire ça, un peu de nuance, parce que pour le moment, dans The Frontier, la Légion du Nord a quand même pas mal de défauts. La RNC a aussi pas mal de défauts dans le DLC. Mais c'est vrai que les Crusaders, pour le moment, n'avaient pas tant de défauts que ça. Et c'est vrai qu'avec le personnage de Morgana, ça permet de beaucoup plus nuancer la faction et de comprendre que la faction n'est clairement pas parfaite non plus. Donc ça fait quand même plaisir de voir ça. Donc voilà, finalement, ça a été assez long parce que je suis mort plein de fois et autres. Mais bon, au moins, on a repris ce let's play et autres. On verra si on va continuer ça ce soir. De toute façon, là, j'ai pizza. Donc, je vous dis à plus tout le monde. À la prochaine. C'était Pharos Edus et Uliard Lodbrok. À plus.